La Bible dit, à chacun a été donné une mesure de foi. Ça veut dire que la foi dans la vie de chaque personne est mesurée. La foi pour habiter dans Sikoji, ou bien dans Sikobois, ou bien dans Sosefia, il y a un degré. Il y a une mesure pour que tu restes à Sikoji. Tu veux quitter Sikoji pour arriver à Angré, il y a une autre mesure qu'il te faut. Tu veux quitter Angré pour arriver au Vallon, il y a une autre mesure de foi qu'il te faut. Tu veux quitter au Vallon maintenant pour arriver à Mbadon, il y a une autre mesure de foi qu'il te faut. Tu veux quitter Mbadon pour arriver à Beverly Hills, il y a une autre mesure de foi qu'il te faut. Tu veux quitter Beverly Hills pour aller à Los Angeles, il y a une autre mesure de foi. Pour chaque niveau que tu veux atteindre, il te faut une nouvelle mesure de foi. La foi avec laquelle tu as fonctionné a réussi à te donner 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Il y a un autre niveau, une autre mesure qu'il te faut avoir. Pourquoi tu quittes 10 millions pour commencer à rentrer dans 100 millions? Quand tu es dans 100 millions, il y a une autre mesure de folie qu'il te faut avoir. Ça veut dire que plus tu deviens fou, plus Dieu se manifeste. Plus ta folie de foi grandit, plus Dieu se manifeste. C'est pourquoi avant de se glorifier dans la vie d'Abraham, il lui a donné une première folie. Sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Bon, imaginez Abraham en train de dire aux habitants de la maison, bon, je voyage, et tu t'en vas où? Oui, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Abraham, tu as 75 ans et puis tu es encore bête. Tu voyages. Et puis tu ne sais pas où tu t'en vas. Parce qu'il ne savait pas. Dieu lui dit, sors, va dans le pays que je te montrerai, c'est au futur. Ça veut dire quoi? Sors là, c'est au présent. Montrerai, c'est au futur. Donc pour que je te montre, sors d'abord. C'est comme s'il dit à Abraham, voyage sans savoir où tu t'en vas. Maintenant quand tu es dehors là-bas, je te montre. Donc Abraham dit aux gens, je me vais en voyage. Il dit, d'accord, tu t'en vas où? Il dit, il y a une voix, quand il était assis là, il y a une voix que j'ai entendue. Puis c'était une voix qu'il avait entendue. Il y a une voix que j'ai entendue, la voix m'a dit de sortir. Et puis si je sors, en partant, la voix va me montrer où je vais. Ferme tes yeux et puis imagine ta tante qui te dit ça. Elle a commencé à devenir dingue. Tu vas lui dire simplement, tante, en réalité, c'est vrai que tu es vieille, que tu n'es pas mariée, tu n'as pas enfant, que tu commences à devenir zinzin. En réalité, tu déprimes. Parce qu'Abraham était vieux, sous couvert, 75 ans, marié à sa femme qui a 65 ans. Les deux sont dans le salon de son papa qui est mort. Abraham est encore dans la maison de son papa à 75 ans et il prie pour avoir enfant. Abraham est le prototype correct de l'échec. Ben, tu peux dormir dans le salon de ton papa jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans, mais jusqu'à 75 ans, tu es le père spirituel des salonniers. Donc je peux appeler la femme d'Abraham Salonie. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Yes. Ça veut dire que le monsieur là était dans un échec critique. Donc quand il annonce aux gens qu'il doit sortir de la maison de son père, on dit bon, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis partir dans le pays qu'on va me montrer. Bon, Abraham, tu sors. Et si après 6 mois, la voix là ne te parle plus, tu fais comment? Il fallait être fou pour suivre cette voie. Il fallait être un peu zinzin pour suivre cette voie. Il fallait avoir la raison du fou. Parce que pour le fou, là, quand il est nul, c'est toi qui es fou. Hein. Ben, si tu es normal, tu dois être comme lui. Pour le fou, tu es fou. Il a une raison déraisonnable. Et Abraham a eu une raison déraisonnable. Il a voyagé sans savoir où il part. Et quand il sort maintenant, la voix lui dit, va ici, il s'en va. Va ici, il s'en va. Bon, et si tu arrives derrière une entrée, c'est au milieu des crocodiles que tu tombes, tu fais comment? Mais la Bible dit, Abraham mit sa confiance en l'Éternel. Il faut que tu crois que tu rencontreras l'Éternel et c'est lui qui changera ta vie. La foi et la folie sont des sœurs jumelles. Arrête d'être raisonnable. Moi, je dis une chose, Dieu n'a pas le bon sens. Le bon sens, c'est la raison. Le bon sens, c'est l'intelligence. Le bon sens, c'est ce qui est normal. Dieu n'a pas le bon sens. Parce que quand tu as le bon sens, que tu es normal, quand tout va bien dans ta tête, tu ne peux pas dire à une femme qu'à 90 ans, tu auras un enfant. À 90 ans, tu auras un enfant comment? Quand tu as le bon sens, tu ne peux pas dire à Zacharie que sa femme Elisabeth, qui est vieille, pendant que lui-même il est vieux, que les deux auront encore un enfant. Quand tu as le bon sens, tu ne peux pas dire à Gédéon qui est pauvre, d'une famille pauvre, et il n'est pas considéré par les pauvres. Tu sais, quand les riches ne te considèrent pas, c'est une chose. Mais quand les plus pauvres ne te considèrent pas, c'est autre chose. Alors Gédéon dit, ma famille est la plus pauvre. C'est que nous sommes les plus pauvres. En termes de grade de pauvreté, nous sommes au plus bas niveau de la ville. Après ça, parmi les pauvres, moi aussi on ne me considère pas. C'est-à-dire que même les pauvres ne me considèrent pas. Les plus pauvres ne me considèrent pas. Attends, eux aussi on ne les considère pas. C'est que moi-même, on ne me voit pas. C'est une manière de dire à Dieu, tu es en train d'envoyer un cadavre. Et c'est qui pour aller? On ne me considère pas, tu m'envoies comment? J'ai bien envie de partir, mais avec quoi? Je n'ai rien. Mais j'ai donc mis sa confiance en l'Éternel. Et Dieu a changé le cours de son histoire. Frères et sœurs, sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. La foi est l'affirmation des choses qu'on espère. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est ce que tu fais en attendant ce qu'on doit voir. Ce que tu veux qu'on puisse voir là est le comportement qui nous montre que ça arrive. Commence à avoir le caractère, le style vestimentaire, la manière de parler, la manière de te laver, aime te laver. Montre à Dieu que tu es prêt pour la royauté. Lave-toi. Et à ton voisin, dis lave-toi. Un roi sent pas mauvais. La pauvreté ne justifie pas les odeurs. Tu veux montrer à Dieu que tu es prêt pour une autre dimension, lave-toi. Tu n'as pas l'argent de parfum, c'est pas grave. Prends citron, nettoie.
Il y a les petits Rexona, 500 000 francs. Prends, mets dans les aisselles. Tu n'as pas l'un des grands parfums, prends eau de Cologne, mets sur ton habit. Repasse bien ton habit. Sois propre. Il n'y a pas de sauce graine ici, il n'y a pas de sauce jungle ici. Ça montre à Dieu que tu es prêt pour les Versace. Ça montre à Dieu que tu es prêt maintenant pour les Berluti. Yes. Ça montre à Dieu que tu es prêt maintenant. Quelqu'un n'a pas dit amen. Yes. Pour les Balenciaga. Amen. Ça montre à Dieu que tu es prêt. Quelqu'un dit je suis prêt. Je suis prêt. Mais en tenant, tu voyages et puis tu n'as pas mis tes bagages dans le sac. C'est que tu n'as pas encore cru que c'est vrai. Quand Dieu te dit je vais t'envoyer quelque part, ce qui montre que tu crois, c'est que tu commences à plier tes habits pour mettre dans le sac. Sac les prêts. Et puis Seigneur, bon, comme je suis prêt, je fais quoi maintenant? Il y a des étapes que Dieu ne te donne pas tant que tu ne franchis pas la première étape. Or la foi te permet de franchir la première étape. Un homme normal ne peut pas franchir la première étape parce qu'il a besoin de tout comprendre avant de marcher. Mais celui qui a la foi, même qu'il n'a pas tout compris, la première chose qu'il a compris d'abord, il commence à agir par rapport à ça. Et quand tu agis, Dieu te montrera. Il dit dans le pays que je te montrerai. Donc quand tu sors, il te montre. Quand tu marches, il te montre. Quand tu marches, il te montre. Yes. Quand tu marches, il te montre. Oh, yes. Un matin, tu te réveilles, tu es arrivé. Je déclare et je prophétise. Oh. Que tu commences à marcher comme une femme de foi. Que tu commences à marcher comme un homme de foi. Celui qui dit amen, bien propriétaire. Que Dieu te donne la foi qui va te faire réaliser ton rêve. Qu'il te donne la foi qui va te faire réaliser la vision. Il te donne la foi qui va te faire réaliser la promesse. Amen. Celui qui a dit amen, bien propriétaire. Amen. Ta vie ne sera pas semblable à la vie de ta mère. Amen. Ta vie ne sera pas semblable à la vie de tes frères. Amen. Ta vie ne sera pas semblable à la vie de ton père. Amen. Tu feras ce que personne n'a jamais fait dans la famille. Amen. Quand je parle de ton père ou de ta mère, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont misérables ou qu'ils sont un échec. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que ce que ton père n'a pas pu faire, même si tu croyais que ton père était riche, Dieu ne t'a pas encore montré richesse. Ouais. Ce que ton papa avait là, Dieu n'appelle pas sa richesse. Il y a l'argent. Et puis il y a l'argent. Si ton papa était millionnaire, dis-moi, je suis enfant de boss. Écoute-moi, enfant de boss, c'est pas forcément boss. Ce que Dieu est en train de dire, si ton papa était boss, ça c'est une chose. Mais toi, tu vas avoir boss. Tellement l'argent sera collé sur ton dos. Amen. Toi, tu vas avoir boss. Quelqu'un dit amen au pied. Je ne parle pas à tout le monde. Amen. Je parle à celui qui se lève plus vite que son voisin. Amen. C'est lui qui rentre dans cette dimension. Au nom suprême de Jésus. C'est pas une affaire d'enfant de boss, c'est boss. Dieu dit, si ton papa était milliardaire, qui s'est arrêté à 2 milliards, toi tu vas avoir ce que ton papa n'a pas pu avoir. Yeah. Toi tu vas monter à 10 milliards, amen. Tu vas monter à 20 milliards, amen, tu vas monter à 50 amen, milliards. Celui qui dit amen bien, amen, que l'onction qui marche avec amen, moi t'élève. Au nom suprême de Jésus.